Je vous reprends le lendemain matin. Je vais commencer par mon jus de cranberry. Petite tartine grillée, confiture, beurre, et voilà, c'est parti. Eric va pas tarder, je crois qu'il a cours à 8-9h. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais ce qu'il a. Il fait la tête parce qu'il veut aller boire au robinet, mais je veux qu'il boive à sa petite fontaine d'eau. Mais oui, ma doudou. Regarde la belle mousse que ça fait. Il faut que je prenne la petite tasse. Déjà je vais au sport, ouais. À tout à l'heure. J'attends pour manger. Ouais. Moi, je vais pas manger ce matin parce qu'après, je dois y aller. Ok. Donc, je pars à la salle. Je ne vais pas y rester longtemps. Et au retour, j'ai des choses à vous montrer, des achats que j'ai faits en fringues. Et quoi d'autre? Et des choses que j'ai reçues. Voilà. Je viens de recevoir tous les cartons pour les box. Il y en a également là-haut. Et ça, c'est un cadeau de la part du fournisseur. Donc, on regardera ça au retour. De retour. Je vais donc vous montrer ceci. Je suis partie à Gémeaux. À la base, c'était pour me trouver, je sais plus si je vous l'ai dit, un sweat comme ça, zip. Déjà pour le sport, c'est beaucoup plus pratique pour aller à la salle quand il fait froid et tout, pour l'enlever. Et tant qu'à faire, qu'il soit aussi mettable le reste de la journée. Et il me fallait surtout des vêtements un peu chauds pour dormir, pour être le soir. Et il y a également deux petites choses, des très belles découvertes et quelque chose qui se trouve en bas. Donc on va faire ça tranquillement. Le sweat, je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé au rayon homme, enfin homme, on va dire même jeune homme. J'ai pris du 16 ans. Je vous avouerai que je l'ai essayé vite fait, je me suis même pas vue là-bas. Il y a Eric qui m'a regardé, il m'a dit « Ouais, ça te va très bien, ok, bon, bah, soit. » Bordeaux, bleu marine, blanc, beige, campus. Voilà, comme je vous ai dit, taille 16 ans. En général, le 16 ans, ça va très bien. Je vous montre ce que ça donne. Je vous avouerai que je vais le découvrir un petit peu avec vous. Je viens de retirer l'étiquette, donc c'est bien 16 ans. 29,99€, donc 30€. J'ai pris bah, 16 ans, oui, comme je vous ai dit. De toute façon, j'aurais pris un truc un peu loose, de façon à être à l'aise dedans. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, quand je prends des choses trop serrées, je ne les mets pas, parce que je ne suis pas confort. Attends, parce qu'avec ça, qui fait limite col roulé. Bon, ça me paraît pas mal, ce petit sweat comme ça, non? Il fait le job pour les deux. Regardez, la capuche. Quand il fera un peu froid. Donc très bien, contente, parfait. On continue avec... Je vais mettre ça. Quoique, non, je reste comme ça, faut pas déconner. On est à combien de degrés? On est à 11 degrés, ça va. J'ai pris une chemise de nuit. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis assez frileuse, je pense, comme beaucoup de nanas. C'est un truc de fille, hein, d'avoir froid. C'est une question d'hormones et de muscles. Musculature également. Mais quand je dors... Je n'aime pas avoir trop chaud parce que très vite ça me réveille, ça me donne des migraines. Donc je voulais être confortable. C'est pas la chemise de nuit du siècle, mais elle est très douce. Elle a l'air très confortable. Qu'est-ce que c'est dessus? Des petites noisettes, on va dire. Alors c'est vraiment la chemise de nuit. Tout ce qu'il y a de plus classique. Manche longue. Ah ben voilà, ça va être là-dessus. Ah mais je me rappelais plus, j'ai pris ça aussi, c'est cool. Donc le sweat, on l'a dit, 30€, enfin 29, nana. Accessoire gris, qu'est-ce que c'est que j'ai pris un accessoire gris? Je sais pas. Attends, bleu, rose, imprimé. Bah alors 14,99€, j'ai l'impression. Très très doux, hein, par contre. J'ai pris, regardez-moi ça, la robe de chambre pilou pilou, mi-longueur, c'est-à-dire qu'elle arrive en bas des fesses. Elle est d'une douceur... Provocante, provocante la douceur. On va dire que c'est un petit bleu lavande. Je crois que c'est ma tenue préférée en hiver, la robe de chambre. Je me suis calmée parce qu'à un moment donné, dans mes vlogs, on voyait toujours, enfin au moment d'hiver bien évidemment, en robe de chambre. Donc, je vais faire un effort. J'ai pris taille M toujours pour être confortable. Ça coûte combien cette histoire? 19,99€. Oh. Qu'est-ce que c'est tout? Oh, regardez le lissage, enfin le lien. C'est comme un ruban de soie. C'est... Voilà, c'est ça. Nous avons la petite ceinture ici. Oh là là, okay. Non mais c'est un confort. Je pense que Jack... Oh non. Oui, allô? Donc, je disais quoi? Ça arrive juste en dessous des fesses. Le prix bleu, bon, bah, j'imagine, 19,99€. Un prix très correct. J'espère qu'elle va rester comme ça, dans cet état, même après un lavage. Hein. Je vais quand même regarder les consignes. Oh là là, j'ai même pas envie de l'enlever. Il me donnait vraiment envie, c'est un bas.
rose, mais alors la matière est très fluide, très souple, pris taille M parce que pareil, je voulais pas être serrée. Pourquoi je suis soufflée? C'est... Attends, je reprends... calme. 14,99€ et j'avoue, je ne l'ai pas essayé. Donc, on va l'essayer tout de suite. Non, je ne l'ai pas essayé, je me suis dit bon, ça va quoi. Ça va, c'est qu'un bas de... De toute façon, même s'il est trop grand, il y a un lien, donc c'est bon. Attends, attends, attends. Oh, il est super confortable, j'adore. Voyons pas. Limite, je vais sortir avec. Oh, il est top. Au niveau du ventre, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il ne me sert pas du tout. Au cucu... Oh non, mais j'aime beaucoup. Je valide. 14,99€. Pour terminer ce joli look, j'ai pris quoi? Attention, des petites pantoufles. Le prix avant que j'enlève tout, 16,99€. Elles sont très mignonnes. Bon, évidemment, ça se voit, mais elles sont hyper douces. Semelle, ça c'est bien, dans l'escalier. Ah, ah mais je kiffe. On est bien ou pas? Ah, mais moi, je suis très très bien dans ces chaussons. Bah là, je crois que je suis refaite. Hein. Limite, il aurait fallu la même chose deux fois. Entre le moment où tu les laves... Donc ça, c'était Gémeaux, très honnêtement. J'y vais pas ultra souvent, mais je dois avouer que parfois, tu trouves des trucs qui font carrément le job, qui sont mignons. Voilà, pour ça, ça me va, quoi. Vous avez vu, les prix sont très corrects. Sinon, rien à voir. Je n'avais plus du tout de contour, de concealer, de denticerne. Et il m'en fallait absolument. Moi, en général, je prends... Tarte, la marque Tarte, la marque Givenchy, enfin des belles marques, Saint Laurent, ce genre de choses. Et j'avais pas trop le temps, donc je suis passée à Leclerc au niveau du make-up, jamais, hein, j'y vais. J'ai regardé, franchement il y avait très très peu de choix, et en plus chez Leclerc, faut savoir que, je sais pas, en tout cas chez moi, on peut pas le tester. Je pense que voilà, donc j'ai pris celui qui me semblait le plus clair. Je vais vous montrer, je vais l'appliquer, il est top. Et c'est le numéro, c'est le plus clair, Ivoire, 1N. Donc vous allez voir, on va regarder ça tout de suite. Je le trouve vraiment bien. Au niveau de l'application, jamais étirer la matière, toujours tapoter, gentiment. Il tient bien en plus tout au long de la journée. Je le poudre quand même très légèrement parce que bon, arrivé à un certain âge, au niveau du contour des yeux, il faut y aller tranquille. Voyez ou pas ? Allez-vous vous rendre compte de la différence? Attends, je vais faire l'autre quand même. Hop. Je fais aussi un petit coup sur les sillons, tac tac. Je vais pas le faire là, mais bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous avez vu? Il est très diffus. Je vais remettre mes lunettes parce que je commence à peiner. Je vous montre également ça, ce que j'avais acheté quand j'étais à Paris. Je l'ai trouvé chez Sephora au niveau des caisses. C'est le Flawless Filter. Donc c'est ce que tu viens normalement mélanger avec ton fond de teint pour un effet un peu glowy. Mais moi, je le mets vraiment juste en highlight. Je le trouve très chouette. J'aime bien mettre au bout du nez. Je sais pas pourquoi. C'est bête, hein. Surtout que quand tu travailles avec des projos, eh ben ça ressort pas mal. Tout est question de nuances. C'est sûr. Alors attends. Et je vous dis, c'est quelque chose qui a plusieurs utilités. Enfin, on peut l'utiliser de différentes façons. Hop, hop, hop. J'ai l'impression de glowy à fond, là. Il se passe quelque chose, ou bah ouais, c'est glowy, quand même. Vous voyez, avec la lumière. Moi, j'aime bien. Au niveau du nez, j'en ai mis très peu. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Et on va descendre pour vous montrer une autre chose. Je vais rester comme ça. En fait, avec Eric, on a passé une commande chez Nespresso. Parce qu'avec la nouvelle cafetière que vous avez vu d'ailleurs en début de vidéo, elle est compatible avec pas mal de capsules. Et en fait, on est tombé, on s'est fait un petit peu plaisir. On a acheté deux tasses et un support pour mettre les capsules qui est trop mignon. Alors ça, ce sont les deux sous-tasses. Donc c'est pareil, c'est Nespresso. Vous voyez, on a un côté brillant, un côté mat. Franchement, on n'avait pas fait gaffe, je crois, en commandant, mais c'est sympa. On cherchait en fait des grandes tasses transparentes. Moi, ça me met en joie le matin de boire mon café dans des tasses sympas. Et je vous présente la bonbonnière. Donc c'est pareil, ça doit être écrit quelque part. Attends, ah voilà. Nespresso, bon c'est en plexi, hein, je pense. Et ça doit, tu peux en mettre 60. Je le trouvais assez moderne, assez design.
En fait, il se tient là, il est plus droit à un certain endroit. Et je vous montre vite fait le cadeau de la livraison des cartons. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise. On a encore une petite chose sympathique. D'accord. Ah ouais, des boîtes de sablé, éclat de chocolat. Ah, des palmiers allongés au sucre. Ah, carrément caramélisé. Vous êtes beau vu d'ici. Bah, merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo vlog haul. Plus haul là quand même pour le coup. Je suis très 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 contente. Hein. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous allez des fois chez Gémeaux. Et si ça vous dit en fait de craquer sur cette collection. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bisous.